Allez, punaise. Thank you.
Test. Ayo TV, hein? Ayo TV. Bonsoir. Ayo TV. Ayo TV. Ayo. Hein? Ok. Ayo TV. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rester fidèles sur Ayo TV. Ce soir ici au Stade Albour Ndiaye de Louga pour vous faire vivre la 9e ou bien la 8e journée du championnat national 2. Comme vous le savez, c'est la 8e journée, match retard. Deux matchs sont au programme. Le premier s'est soldé par la victoire de l'AIC Pinch sur l'AIC. Sur Bargeç 3-2 et présentement c'est le deuxième match qui va opposer l'AIC Bekendo qui fera face à Ayo de Zagnam. C'est pour le compte c'est pour le compte de la 8e journée, match retard et c'est Ayo Media. Nous sommes là, 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 on va vous donner la composition des deux équipes côté Dekendo. C'est Eladji Baba Mbeng dans les buts avec le dossard numéro 92, Pape Ndiaye 97, Baye Mbaye 3, Yoro Diop 94, Aaron Kamara 3, Mohamed Ba 9. Oui, Aladji Baba Mbeng 80, Pape Ndiaye 4, Baye Mbaye 26, Yoro Diop 8, Mohamed Ba 9, Ahmed Fall 29, Abdou Khadir Djey 33, et Mustapha Mendy, dossard numéro 5, côté ñi nga xamé ni ñom ñoy wa Ayo de Zagnam, dossard numéro 21, Fallou Ndiaye 33, Malik Faye 16, Daoud Si 26, Cheikh Sek 20. Amadou Niang 24, Lamine Diakhaté 35, Pape Ousmane Sy 22, Serigne Gueye 30, Abdou Gueye 34, Bouya Ndiol 32, Ousseynou Thiam et lolu mom moy li nga xamé né mom moy feuille de match la ci côté ñi nga xamé né ñom ñoy wa Dekendo de même que ñi nga xamé né ñom ñoy wa Ayo de Zagnam. Et vous nous suivez sur Ayo Media partout où vous êtes.
On vous salue depuis Louga pour le match en retard, comptant pour la 8e journée de la Nationale 2. Et comme vous le savez, c'est Zoc qui est au devant avec 25 points, suivi de Ayo Agnam, 17 points, Matam 3e avec 12 points, Ndarguet aussi 4e, 12 points, Dekendo 5e avec 12 points, et Pinch va venir devant Askaz avec 12 points, Askaz 7e avec 11 points, Aïs Dara 8 points, 9e Diamano de Djurbel 7 points, 10e Mbarguet avec 2 points. Et dans un instant, le coup d'envoi de ce match va être donné par l'arbitre central. Ici au Stade Albouri Ndiaye, djem ci li nga xamé ni mom moy 8e journée retard national 2. Di nuyu ñep di len jaajeufal bu baax ci téwlu bi, djem ci li nga xamé ni mom moy Ayo Media, djem ci Stade Albouri Ndiaye bu Louga aussi, ñi nga xamé ni ñom ñoy wa dekkendo, ñi ngi nonu regrouper wu autour de pour rek xeyna am consigne nga xamé ñi ngi koy joxé, ñi nga xamé ni ñom ñoy wa Ayo des Agnam. Nous avons dit que nous habillés en noir et blanc avec des bas verts. Nous avons dit que nous et on voit le capitaine avec son dossard numéro 2. Il y a une consigne aussi sur un de ses coachs qui va se diriger sûrement. Si nous avons dit que c'est un gardien de but, en tout cas, tout est fait prêt pour que l'arbitre siffle. Le début de cette rencontre aussi tant attendu parce que Ayo Agnam en cas de victoire day am li nga xamné mom moy taxaway bu deuguer, de même aussi Dekendo su ci amé victoire aussi day am li nga xamné mom moy taxaway bu deuguer. Et c'est parti ici au Stade Albouri Ndiaye entre Dekendo et Ayo des Agnam, et la passe manquée de Yoro récupérée par le 32 de Ayo Agnam qui préfère jouer avec son défenseur central le numéro 26 Cheikh Sek avec son autre défenseur devant pour chercher son attaquant, ballon repoussé par Abou Ndiaye jusqu'à Mbip qui dévie pour Yoro Diop. Yoro le contrôle et qui temporise day joxat ki nga xamné mom moy Mbip. Le contrôle de Mbip dans tête dans la surface, une deux tentée par Baïta Lambay et malheureusement Yoro Diop n'a pas répondu présent et sera en 5m50 pour l'équipe visiteuse. Et c'est Fallou Ndiaye le gardien de but, non, oui, le dossard numéro 6 c'est Daoudassi, le gardien de but qui va jouer avec Cheikh Sek qui prolonge jusqu'au son meneur qui décale pour son excentré face à deux voire trois joueurs de l'AIC Dekendo. Est-ce qu'il va réussir à les contourner avec cette course? Et malheureusement pour le numéro 30 de l'AIC de Ayo des Agnam, Abdou Gueye, ce sera une touche pour Abdou Khader qui joue rapidement avec Baye Ndiasse qui perd récupération, le dossard numéro 22 qui cherche son attaquant, ballon dégagé par Ahmed Ba et ce sera un coup franc pour l'AIC Dekendo. Et le numéro 30 de l'équipe visiteuse c'est Abdou Gueye et le joueur Ahmed Ba toujours au sol. Peut-être l'arbitre va appeler les secouristes en attendant qu'il se relève. Ahmed Ba, le défenseur central de l'AIC Dekendo, et on est à la deuxième minute de jeu ici au stade et toujours 0-0 entre Ayo des Agnam et l'AIC Dekendo. C'est pour le compte de la 8e journée retard ndax jamono ji joué nañ li nga xamé ni mom moy 9e journée bi ba nopi, waye bi dañ ko daldi won programmé malheureusement sécurité mom mo fi amulone tax match biñu daldi won koy daq. Et la tête du latéral gauche de droit de Ayo Agnam qui a toujours le cuir, le numéro 2 qui a réussi à déposer mais malheureusement il va perdre le cuir. Bip, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être le contrôle, la passe en profondeur pour Mendy et la frappe à côté du but de Daoudassi, le gardien de but des Noirs et Blancs. Et Daoudassi, long dégagement pour chercher son excentré en lutte avec Abdou Khader Thiey qui repousse jusqu'au dossard numéro 22 de Serigne Gueye. Et ballon perdu. Baïtala, la récupération qui va jouer derrière pour Elhaji Baba Mbeng. Baba pour Abou Ndiaye dans la défense de Dekendo. Mauvais passe, heureusement pour lui que Cordo à la récupération. Cordo, pressing du capitaine des Agnam. Il va rebrousser ce mais jusqu'à Yoro Diop. Yoro qui cherche un partenaire démarqué finalement. Ballon mal négocié, et sera une touche pour Ayo Agnam. Et c'est le dossard numéro 20, Mom Modou Nyan, qui va effectuer la touche. Modou, le latéral droit de Ayo des Agnam qui va effectuer la touche peut-être devant pour chercher son excentré, la déviation du dossard numéro 34. Mon Djol toujours le centre, c'est parti dans la surface de réparation et Baba Mbeng qui préfère laisser le ballon filer en 5m50 pour
Le protégé de Mohamed Ndiaye, 3 minutes jouées, toujours 0-0. Et c'est la 8e journée du championnat national 2 ici au stade Albour Ndiaye, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un match en retard qui devait se jouer longtemps, mais malheureusement, manque de forces de l'ordre. Ces deux matchs ont été reportés et Pinch a gagné devant Barguet 3-2 et à faute du dossard numéro 20, Momo Dougnan. Et Koufran rapidement joué Yoro pour Mbip, l'accélération de Mbip face au dossard numéro 20. Mbip qui va temporiser pour jouer avec Yoro Diop. Yoro toujours pour Mbip à nouveau. Mbip, qu'est-ce qu'il va faire? Un centre, malheureusement, est stoppé par la défense. Mais Baïtala à la récupération. Baïtala toujours qui a le kill, va chercher pour jouer avec Mbip. Le centre, c'est parti cette fois-ci dans la surface pour Mendy. Et bonne parade du portier. Le gardien de but de Ayo qui était sur ses appuis pour repousser, mais il y a quelque chose que l'arbitre a signalé. Un coup franc contre Dekendo et c'est Daoude aussi, le gardien de but de l'équipe visiteuse qui se dégage. Bâti son capitaine, le numéro 32, mauvais passe, récupération Yoro pour Mbip à nouveau. Mbip toujours. Mbip pour qui? Le numéro 22 de l'AC Dekendo. Mbip toujours qui a la passe en profondeur pour Bangiassé face au gardien de but. Et la parade à nouveau du portier de Ayo Desanyam. Après une très belle passe de Mbip. La passe en profondeur de Mbip qui a trouvé Bangiassé qui n'était pas lucide sur cette action. Mais a salué aussi la bonne prise du portier des Ayo Momdaoud aussi, qui était sur ses appuis aussi pour repousser la frappe de Bangiassé. Mais a rappelé encore une fois la très belle passe de Mbip qui a trouvé juste Bangiassé, mais malheureusement pour ce dernier et heureusement pour Ayo Desanyam qui sûrement va rendre grâce à leur gardien de but, Daoude Si, qui après deux actions nettes, il a réussi à contourner les occasions que Aïssé Dekendo a depuis le début de cette action. Et le joueur de l'équipe visiteuse au sol entre les mains des pompiers. Mom lañu xol nonu mom joueur bu Ayo Desanyam bi nga xamné après action yi am ci sen bir kay gis nañ né ñakul né amna ci gañu mom motax mu daldi tok nonu nek ci loxoy ñi nga xamné ñom ñoy wa sapeur pompier. Et c'est toujours 0-0 après 6 minutes jouées ici au stade Albour Ndiaye de Louga. Mu nek ñaari match yi nga xamé ni mom mo am tay fi ci stade bi, ben bi daal dina jeex. Penci mo gagné 3-2 ki nga xamé ni mom moy Barguet. Et jamono ji Dekendo moy joué ki nga xamé ni mom moy Ayo Desanyam. Équipe ci matam di ñew jouer les Mohamedi Momoy le championnat. Et c'est Mbip oui, qui va jouer ce corner, mon le numéro 32 de l'AC Dekendo. Bien 22, oui, c'est 22. Alingay oui. Et tout diapal ma bay ci bir surface de réparation et le coup de sifflet est donné Mbip pour ce corner. Attention, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien, même si le capitaine de Dekendo est venu pour dire à l'arbitre qu'il y a pénalty. Mais l'arbitre ne dit rien et le jeu se poursuit côté Ayo Desanyam, le dossard numéro 30. Et l'arbitre va revenir sur la faute commise par Abdou Khadr sur le numéro 30 des Ayo Desanyam. Le 30, c'est Abdou Gueye. Faute de main. Un coup franc pour Ayo Agnam Tissène Burzon. C'est le latéral gauche qui va le jouer. C'est parti devant la déviation, bien l'amorti, le cuir et le dégagement d'Abdou Khadr jusqu'à son capitaine Papa Ndiaye. Et c'est directement dans les bras de Aladji Babambeng, le gardien de but de l'AC Dekendo, qui se lance devant pour chercher Bangiassé. Ballon repoussé par le latéral.
Attention, le pied un peu élevé et Baïtala à la récupération pour Abdoukhadir Dieye. Abdou pour Bandiassé Moudoukoy Wour, mais Rujal cette fois-ci est le numéro 26 côté Ayo Momoy récupère des dégagements Bougoudou pour chercher son attaquant et c'est Abou à la récupération. Abou qui laisse le soin à son portier. Eladji Baba Mbeng la relance pour Ahmed Ba. Pressing du dossard numéro 4 des Ayo Mom Bouye Ndiol. Ahmed Ba toujours pour Baïtala Mbaye. Baïtala pour Abdoukhadir, le crochet intérieur d'Abdoukhadir. Qui s'appuie sur Ahmed Ba. Ahmed pour Aladji Baba Mbeng. Mbeng pour Abou Ndiaye. Abou toujours qui a le cuir pour son capitaine. Mauvaise passe et récupération. Le dossard numéro 4. Bouye un peu précipité sur cette action. Après une mauvaise passe de Abou Ndiaye et Bouye qui avait le temps pour choisir le geste qui lui paraît très normal. Mais malheureusement, il a un peu précipité sur cette action. Et heureusement pour l'AIC de Kondo. Et c'est Abou Ndiaye pour Kordo. Mauvaise passe, récupération à Ayo Bolegi et Abou Ndiaye qui ne prend pas de risque. Il préfère mettre le cuir en touche pour permettre à ses pairs de revenir après 9 minutes jouées. Et toujours 0-0 et le dossard numéro 20, c'est Modougnan. Modougnan qui va effectuer la touche pour Ayo Desagnam. Modougnan toujours qui a le cuir. Modou pour son capitaine, le numéro 30, bâti son meneur, mauvaise passe, le retour de Mendy, encore Mbip, et le 30 à la récupération, le centre c'est parti dans la boîte, et la sortie de Eladji Baba Mbeng après le centre de Abdou Gueye, et long dégagement pour chercher Bandiassé, ballon repoussé par la défense de l'équipe visiteuse, à l'arbitre Bidane, arbitre Bidane, nous avons Djougane, arbitre Bidane, Fakastalou, Djougat, Tilougaou, et la touche de Abdou Khadir pour Ahmed Ba, Ahmed pour Baïtala Mbaye qui remet à Ahmed Ba à nouveau, le défenseur central de l'AIC de Kondo, libre de tout marquage, à part le pressing de Bouye Ndiol devant, et ballon repoussé, ballon amorti par Yoro, qui a trop appuyé. Et c'était une occasion pour Yoro, mais malheureusement, il a vu son tir voler. Et c'est Daoud, le gardien de but de l'équipe visiteuse qui va jouer avec son défenseur, Bati Bouye, et la tête de Abou Ndiaye, peut-être pour Kordo. Kordo pour Yoro, ballon repoussé par le numéro 35 à la récupération. Wa Ayo Batay, ñom ñokoy jël nonu, door ben crochet, Abou Dardou Diayou récupère jox ki nga xamné mom moy Mbip. Mbip japp ci son capitaine Papa Ndiaye, Papa pour Kordo, Kordo pour Abou Ndiaye derrière. Abou devant pour chercher Mendy. Bonne interception du dossard numéro 24. Mom Lamine Diakhaté. Mauvaise passe de Lamine Diakhaté. Abou à la récupération pour Papa Ndiaye qui prolonge peut-être jusqu'à Abdoukhadir. Non, il préfère changer d'elle peut-être. Non, Belegi Mom Papa Ndiaye pour Baïtala dans le rond central. Baïtala qui cherche un partenaire. Finalement, il va jouer avec Abdoukhadir. Une passe de trop et ce sera une touche pour le numéro 33. Et c'est pour Malik Faye, la touche de Malik Faye devant. Et ballon amorti pour Abou, puis dégagé pour Serge Mbip, mais encore une fois, ce sera une touche. Touche pour Ayo Agnam avec ses latérales gauche, le dossard numéro 20, Modou Nya, qui prend tout son temps, Modou. Avant d'effectuer la touche, Modou devant pour son capitaine qui a contrôlé le cuir et qui remet à Modou Nya. Mais malheureusement, la passe n'est pas bonne et c'est une touche. Membre numéro 32, Ousseynou Thiam. Touche pour Dekondo et 12 minutes jouées, toujours 0-0 ici au stade Albert Ndiaye. Match comptant pour la 8e journée du championnat national 2. Et on le dit comme on l'a dit tout à l'heure, pour le moment, c'est Jok qui est devant. Avec 25 points, suivi de Ayo Agnam avec 17 points. Et si le match termine ainsi, Ayo aura 18 points, Dekondo 13. Et coup franc sifflé par l'arbitre central. Joué rapidement par Baïtala Mbaye pour Abdoukhadir Abdou, pour Yoro Yoro qui remet Abdoukhadir le centre, intercepté par le numéro 26 des Noirs et Blancs. Sur Cheikh Mbacké Seck. Et Malik Faye qui va laisser le soin
à son défenseur central, le numéro 26, Serba Keseke, qui va jouer ce coup franc devant pour chercher son ex-centré. Et il y a coup franc sur Abdou Khadr, même si le joueur n'est pas d'accord sur la décision de l'arbitre, même le numéro 30, Abdou Gueye. Et c'est Ahmed Ba, le défenseur central, côté de Kondo, Momo Tek Balbino pour jouer ko. Bati ki nga xamné mom moy Mendy repoussé par la défense. Ayo Agnam à la récupération pour le dossard numéro 21 qui a quelques soucis pour contrôler le cuir. Mom le numéro 21 di Fallou Ndiaye. Et le 20 toujours qui a le cuir. Mom Modou Nian, pressing Dembip Modou. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va obtenir une faute. Mom Modou Nian. Modou Nian qui va obtenir une faute commise par Aline Gueye. Et c'est le numéro 24, Lamine Tchakhate, qui va jouer ce coup franc. Côté Ayo devant pour chercher son attaquant, la déviation pour son capitaine, mais malheureusement touche pour Kordo, le latéral gauche de l'AIC de Kondo, qui va effectuer la touche. Et Modou Nian qui commet aussi une faute sur Abip et le capitaine, qui montre l'endroit où la faute est commise à Kordo, le latéral gauche de l'AIC de Kondo, qui joue devant pour Yoro Diop, le contrôle. Yoro, toujours, le coach Selah, Diop petit bip, Waye Modou Nian est là pour récupérer le cuir. Diop petit le Rastaman qui s'accélère et Pandiaï à la récupération, mais l'arbitre siffle une faute sur le numéro 22, Mom Serigne Gueye. On joue rapidement pour le capitaine Ousseynou Thiam, qui Diop petit Modou Nian, qui décale devant pour chercher un attaquant. Et Gueye qui va tenter un lob à côté du but de Aladji Baba. En tout cas, c'était bien tenté de la part du numéro 22, Serigne Gueye, qui a vu le but de Aladji Baba. Vide, attention, de quoi il voit mon Baye Ndiassé et le retour du défenseur Waibaligi Diéhogoul. Encore ci bir surface mom bëkk ko ñaar yoon genné ko mom le défenseur day japp ci Modou Nian le latéral mu yok ba ci son capitaine. Mésentente entre les deux joueurs, finalement c'est Mbip à la récupération, une passe en profondeur interceptée par le numéro 35, l'accélération du 35 mon Pape Ousmane Sy qui cherche un partenaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va décaler côté gauche pour le numéro 30, mom Abdou Afay. Le centre, c'est parti encore dans la boîte, la remise manquée du capitaine Ousseynou Thiam. Après un bon centre du 30 de Ayo Mom Abdou Faye, et malheureusement la remise du capitaine est manquée, et il y a un joueur de l'équipe visiteuse au sol. En tout cas, nous avons été deux team locaux, ce ne sont pas. L'arbitre est obligé à appeler les secouristes pour qu'il vienne s'enquérir de la situation du joueur de Ayo qui est au sol. Et nous sommes presque à la 17e minute de jeu, et c'est toujours 0-0 ici au stade Albour Ndiaye. Djom ci li nga xamné mom moy national de 8e journée, et di fatali né bi match retard la ndax 9e journée da dinañu koy jouer, juste rek pour jox len li nga xamné mom moy résultat yi nga xamné mom mo ci daldi am. Jamono de Djourbel ak Matam 1-1 lañu daldi won def. Bargej ak AS Dara mo door Bargej 2-0. Ayo bi di football jamono ji mom mo dalalon ki nga xamene mom moy Ndar Gueye, gagné ko 1-0. Diok don jouer ak Penc, gagné ko 4-3. Et ci Altine ji lañu ko jéxal ci Dekondo bi di jouer, momi dafa nulon ak ki nga xamene mom moy Aska 0-0 lañu daldi def. Lolu bokku ci li nga xamene mom moy résultat 9e journée bobu. Et comme niñ len ko waxé légui rek, retard la xeyna 8e journée bi, résultat yi nga xamé né amon nañ ko rek ci jamono ji pour wané ñaari match yi dañ ko daldi teggone, way dañ ko mujjone reporter ci 8e journée bo bokon na ci Ndar Gueye ak jamono Djourbel bi nga xamné 1-1 lañu daldi won def. Penc bu Louga ak Bar Gueye mom lañu jappone, way dañ ko daldi won dakh tay ji lañ ko jouer, et Penc mo gagné 3-2. Et Dekando ak Ayo jamono ji ñu ngi ci 17e minute de jeu, toujours 0-0. Matam dafa daldi won nul ak ki nga xamné mom moy Diok 1-1 né Diok né kon rek li nga xamné mom moy premier match nuy lam ci championnat bi. Et Dar ak Askaz ñom ñoo daldi won dajé 0-0 lañu daldi won dé. Résultat yi
nga xamé né amone nañ ko ci 8ème journée bobu tay nak ñu wara yéggal rek li nga xamé né mom moy ñaar yi daal di won dess jëm ci li nga xamé né mom moy match sur retard bobu et c'était le dossard numéro 26 qui réclame un changement il paraît vu le geste bi nga xamé né mom la daal di def mom Cheikh Mbacké Seck ñaakul dañ ko mbëk R4 bi toj mu ngi non and ak wa sapeur tek mussoir bi ci bop bi et gaay ñi ngi nonu di ñew en tout cas le crochet de Ahmed Ba pour jouer avec Yoro malheureusement day dem ba ci ki nga xamé né mom moy le latéral bu ayo et bal bi day génn mom Modou Niang bayiko mu dem li nga xamé né mom moy 5m50 pour permettre à Daoud Si son gardien de début de jouer librement avec peut-être Malik Faye non il préfère jouer avec l'autre défenseur dans la surface pressing de Mendy et il se dégage mom bati le cap son attaquant Boulay Boy Ndiol et c'est un coup franc de Abdou Khadir Dieye sur Serigne Gueye le 22 de Ayo Agnam en tout cas c'est un coup franc ci li nga xamé ni mom moy du rond central bi mom le numéro 21 au temps pour moi. C'est Fallou Ndiaye. Bonjour, côté gauche. Pour voir Ayo, Bati le dossard numéro 22 qui préfère laisser le soin à Lamine Diakhaté. Mauvaise passe, récupération, Baïtala. Qu'est-ce qu'il va faire? Une passe en profondeur pour Bandiassé. Et bon retour, encore Diakhoul. Bandiassé, le seul pour Mbip. Encore le pied, on peut élever l'arbitre, ne dit rien. Et dégagement du joueur de Ayo. Et ce sera une touche pour Dekondo. Et c'est Cordo qui va effectuer la touche pour Baïtala, un joueur. Est-ce que l'arbitre va arrêter le jeu? Oui, Bataille Cordo, Moïté, il préfère jouer avec Papa Ndiaye qui prolonge jusqu'à Bandiassé. Et le numéro 33 face à Bandiassé, il préfère jouer avec Abdou Khadir Dieye. Le centre manqué est dégagé par le numéro 35, mon Papa Ousmane Sy. Et finalement, ce sera une touche. En attendant que l'arbitre dem le joueur bu ayo bi nga xamné mom mo daldi teud nonou bokul ak kenn ki nga xamné mom mo nek nonou ci loxoy ñi nga xamné ñom ñoy wa sapeur ci noné toujours 0-0 fi ci stade Albour Ndiaye jëm ci li nga xamné mom moy 8ème journée on est à la 20ème minute de jeu Eh, mon gino, un joueur de Ayo Momo Dadi nek non ci souf gaay ñing koy xol en attendant qu'il se relève actuellement Ayo woté nañ encore benen renfort ci côté ñi nga xamé ñom ñoy soin bi pour ñu rek mëna ñew xol exactement joueur Ayo bi nga xamé ni mom mo daldi teud nonou et c'est toujours 0-0 20 minutes jouées, toujours 0-0 ici au stade Albour Ndiaye. Et à rappeler que le match, il y a un petit coup d'Afrique, match qui a été gagné entre Guinée équatoriale et Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, mon mandat a gagné, ou Guinée-Conakry. Mon mandat a gagné, nous sommes en train de jouer à Guinée équatoriale. L'équipe qui a gagné au Sénégal a gagné 2-0, mon mandat a gagné. Ñom aussi daari nañu am li nga xamé ni mom moy sen qualification jëm ci quart de finale ginnaw bu Angola ginnaw bu Nigeria ñom wa Guinée ñom ñoo ci daadi top am li nga xamné mom moy 3ème ticket en attendant ñuy xaar ni benen quart de finale bu nga xamé ni mom ñu jouer légui ni 20h
Égypte ak RDC et fi ci Estade Alboury Ndiaye mom ba légui ken dougalou ko sa morom dara 0-0 lañu daldi defagul e ben joueur bu ayo mu ngi nonu ci biti ci loxoy fatch kat yi be benen bi mu ngi nonu changement sûrement lañu daldi def ndax le dossier numéro 31 mu ngi nonu et la tête du défenseur récupération Baytala qui est en lutte et le loupé, la frappe de Mbip croisé et c'est directement dans les bras du portier mom Daoud de qui nga xamé né mom moy bu ayo et le dossard numéro 31 et le gardien de but au sol oui parce que ayo boy xol jamono ji le dossard numéro 31 mo ngi nonu taxaw mom Modou Mbacké mom mo dug nonu jël le place dossard numéro 20 di Modou Nia way Modou Nia mo ngi nalé ñuy nek ci loxoy ñi nga xamé ni ñom ñoy fajj kat yi mom Modou Nia mom mo daldi genn jox ki nga xamé ni mom moy Modou Mbacké su Modou Nia genné Modou Mbacké dugu et ci noné ba légui 24 minutes jouées, toujours 0-0 et la touche. Côté ñi nga xamé ni ñom ñoy wa ayo añam et la touche effectuée, on va jouer devant Baytala en lutte avec le meneur de ayo, on décale côté gauche, la passe devant pour chercher le capitaine et la sortie de El Hadji Baba qui joue avec sa tête, le contrôle de Mbip, Mbip qui perd, récupération, le 21 et l'arbitre estime qu'il y a une position d'orjo du capitaine de Ayo Agnam et c'est Abou Ndiaye. Abou Ndiaye. Je joue devant, attention dans la surface de réparation, la tête de Bandiassé et c'est directement dans les bras de Daoud. Encore une fois, récupération, le dossard numéro 22 devant. Abou Ndiaye à la récupération qui va jouer devant. Pour personne et c'est Daoud. Daoud Goldé de Vlouor. Il a les coffres et c'est pas. Nous sommes Daoud, le gardien de but de l'équipe visiteuse qui rate complètement son dégagement et heureusement que le numéro 35 est là pour prolonger mon pape Ousmane Sy. Bâti son mon le contrôle, bâti le 34 qui décale côté gauche pour le dossard numéro 22, Serigne Gueye, Serigne face à Abdoukhadr, de quoi il dort ben crochet, voilà Abdoulaye Khekh récupère le ballon, mom le latéral droit de l'AC Dekendo qui joue avec Yoro Diop qui prolonge jusqu'à Baye Ndiassé, attention, aïe, Baye Ndiassé d'accord, roulade, mom Baye Ndiassé, le latéral, l'excentré droit de l'AC Dekendo, qui pose de l'écran en empêchant qu'il y ait un le joueur Moumana Bété, comme nous l'avons dit. Et on joue devant, côté Ayo, la déviation du 34 pour son capitaine qui a réussi à se tourner pour jouer avec son meneur, Moum Serigne. Serigne, le 21 encore, avec son pied gauche, il laisse jouer avec l'autre meneur, Batile Serigne encore, le numéro 21, Moum Fallou Ndiaye. Fallou pour le 30 qui rate son contrôle et Yoro à la récupération pour Mbip. Mbip face à un joueur de Ayo, qu'est-ce qu'il va faire? Il fixe son adversaire, le Khitchi Moum Mbip et mauvaise passe dégagée par la défense à mettre à la récupération et 34 bidef pressing, Moum Moui récupéré. Day Diap, ci digi bi, ci ligne médiane bi, lañuy indi ñom ñi nga xamé ni ñom ñoy wa Ayo ak le dossard numéro 30 di Abdou Gueye. Abdou pour Fallou Ndiaye. Fallou qui prononce Batisson Rastaman. Attention, attention, arbitre ne dit rien. Il laisse l'avantage en profondeur pour le dossard numéro 30. Encore combinaison. Et ballon perdu. Baye Ndiassé qui s'apprête à faire une course stoppée par le numéro 35. Et ce sera un coup franc. Mon pape Ousmane Sy qui commet cette faute sur Baye Ndiassé. Et le numéro 30 qui était au sol, mon Abdou Gueye, finalement il s'est relevé. Et le coup franc va être joué côté Dekendo au moment où le numéro 30 préfère jouer avec son gardien de but au moment où le Muezzin appelle les musulmans.
c'est dans la surface de réparation bu ñi nga xamé ni ñom ñoy wa ayo dañuy yok ba ci kanam waye mom Ahmed Ba il ne va pas prendre de risque, il va jouer avec son gardien de but Eladji Ba Bambeng qui temporise pour jouer avec Abou Ndiaye. Abou Ndiaye, le pressing du numéro 34 boy Bouye Diol pour le capitaine Ousseynou Thiam. On décale côté gauche ba ci le dossier numéro 30 mom Abdou Gueye. Abdou toujours qui a le cuir, il préfère jouer avec son rastaman. Moudor Ben Crossigny, il doit accélérer dans la surface de réparation face à Eladji Ba. Qu'est-ce qu'il va faire? La frappe à côté du but de Eladji Ba. Pourtant, il avait le cadre, mais malheureusement, il a trop. Moment. Le rastaman de Ayo, c'était une occasion aussi franche pour l'équipe visiteuse du dossier numéro 22, Serigne Keye, mais malheureusement. Son tir est trop croisé et malheureusement pour lui c'est un 5m50 et heureusement pour là c'est Dekendo et la passe contrée, encore une autre frappe Abdou Khadr à la récupération qui préfère laisser le cuir à Baïtala qui n'a aucune autre solution que de dégager en touche. Et toujours 0-0. Toujours 0-0 ici au stade Albour Ndiaye. On est à la 29e, 30e minute de jeu. Et c'est Eladji Ba Bambeng, l'équipe de l'AC Dekendo, la relance pour Abou Ndiaye. Abou, mauvaise passe de Abou. Mauvaise passe de Abou. Et touche cette fois-ci pour Ayo Agnam. C'est Modou Mbake. Mom moi, def touche, mais non, nous devant. Touche pour Cordo devant tête de Modou Mbake, encore ballon récupéré par le numéro 21 côté Ayo, peut-être une profondeur, non, il préfère jouer avec le dossard numéro 30 qui n'a pas de solution. Il se tourne sur lui-même avant de jouer avec le numéro 22 pour son latéral gauche, le centre, c'est parti dans la boîte, la tête, encore une nouvelle tête d'Ahmed Ba pour son gardien de but. Et là, Eladji Ba Bambeng devant pour jouer avec Mendy. Mendy qui dévie, mais malheureusement, il n'y a personne. Et c'est le défenseur, Mom Cheikh Mbak, qui est sec, qui joue avec son latéral, petite ligne de touche. La nuit d'em. La passe devant pour le numéro 21, Fallou Ndiaye. Fallou face à Papa Ndiaye. Nyari Ndiaye. Fallou fixe son adversaire. Il préfère jouer derrière, mais malheureusement, contre Waïde Khekh. Et finalement, il y a une faute. Non. Et ce sera 5m50 pour l'AC Dekendo. Et c'est Eladji Ba Bambeng toujours, mon le capitaine alias Soskani, qui pose le cuir sur sa ligne de but pour jouer avec Abou Ndiaye. Abou devant pour Mendy. Mendy en lutte et qui prolonge jusqu'à Mbip. Et malheureusement, il n'y a que Balbi et tous, l'arbitre Bidouach pour Modou Mbake. Et l'arbitre central est appelé par le quatrième arbitre. Voilà, il y a des gens qui ont fait un kit au raid. Il y a des gens qui ont fait un kit. Et cette scène s'est produite l'autre jour en Angleterre lors du match Manchester City-Tottenham. Le match s'était interrompu pour la même cause. L'arbitre aussi quitte au raid. Assistant Biroun cette fois-ci, qui aurait dû avoir un monde jafé-jafé, mais même si mes gars étaient valables comme normal. Et là, on a marqué en attendant. Nous voyons que j'ai calé Tungir, dès que nous donnons des arrières, ce qu'on a fait, ben erreur d'homme. Nous m'en communiquer aisément. Nous sommes n'inga chamé, nous sommes les arbitres. Et si quand nous qui n'inga chamé, nous sommes Modou Mbake, le latéral droit de Ayo Agnam, de Tibok, de Tini Diapo, les arbitres. Le Tibok, Modou Mbake, le latéral droit de Ayo, nous avons fait un peu de temps. Du fofu lok touche bi amé won mon ko may lolou mu nek
fay gi ngi koy fay ci limu la défal waye def na touche le pied de Cordeau benen touche lay donar pour ñi nga xamé ni ñom ñoy wa ayo essay toujours Modou Mbacké mom moy dem pour def touche bi nonu le latéral droit ayo mu gis waja libre na waye heureusement que Cordeau était là pour laisser de Cordeau récupère le cuir xatch boy dor waji tek tankam arbitre bi sifflé coup franc mom le numéro 30 di Abdou Gueye et Cordeau qui joue rapidement pour Papa Ndiaye, son capitaine, qui remet à Cordeau. Cordeau devant pour chercher son attaquant, mais la tête du joueur de Ayo et la talonnade. Bachila Dossard numéro 22, mon moité, mon Serigne Gueye. Serigne Bachila Dossard numéro 30 devant le contrôle et la frappe. Aïe, aïe, au-dessus de la barre. En tout cas, c'était bien tenté de la part du Dossard numéro 34, mon Bouye Diol. Et la parade de Elhaji Baba qui était là. Et c'est un corner. En tout cas, c'était bien tenté de la part de Bouye Diol après cette retournée. Et il a enchaîné avec une frappe. Mais malheureusement pour lui, le ballon était au-dessus de la barre du portier de l'AC Dekendo. Et ce sera un autre corner. Ci li nga xamé ni mom moy match bi presque ñu ngi ci li nga xamé ni rek mom moy 34 minutes, il ne reste que 10 minutes. Il y a une première mi-temps pour que les équipes aillent au Vessert. Le corner, c'est parti. Premier poteau, la frappe du 34 et encore un dégagement de Cordeau. Bouye Diol qui tentait une frappe, mais malheureusement contré par Cordeau. On joue côté gauche. Ouais, ayo, de nous quoi, il y a le dossard numéro 32 qui tente une deux. Malheureusement, il n'y a personne. Et Yoro pour Bayndiassé. Bayndiassé pour Baïtala. La passe en profondeur pour qui a mené Mendy. Et le défenseur bu ayo mi ngi nonou day and ak mom xagn ko ko lata muy japp ci yoro diop yoro toujours ba ci ki nga xamne mom moy Bayndiassé côté droit peut-être un centre de Bayndiassé dans la surface la tête manqué de Baïtala et récupération Modou Mbacké Modou pour Bouye Cham Bouye encore pour Serigne encore accroché par Abou Ndiaye. Il sera un coup franc et un carton jaune pour le défenseur central. Bou Aïssé Dekendo, mon Abou Ndiaye. Oui, carton jaune pour Abou Ndiaye. Et le numéro 21, en tout cas, mon Fallou Ndiaye. Un très beau joueur aussi qui est en train de faire un bon match depuis le début de cette rencontre. Et nous sommes à la 33e minute de jeu. Mon Fallou Ndiaye. C'est le capitaine, le dossard numéro 30, mon Abdou Gueye, qui va frapper ce coup franc. Murat de côté de Kondo, mon Abou Ndiaye, à Walembib, à Cordeau, nous avons fait un canon de balle. Et Minon, en tout cas, on va suivre ce coup franc obtenu par l'AC. Ayo Agnam, le capitaine, c'est parti. Et c'est pour le gardien de but de l'AC Dekendo. Long dégagement, récupération, le numéro 33. Et oui, non, en tout cas. Et sur la ligne de touche, on sort le cuir pour le dossard numéro 35, côté Ayon, qui prolonge, bâtit son restamment et malheureusement la passe est trop appuyée et fera une touche pour Dekendo. Et ce sera pour Dekendo. Et dégagement de Abdou Khadr Dieye. Dans le rond central, récupération Fallou Ndiaye. Fallou, attention, la passe un peu courte. Et Bip qui est au sol et l'arbitre ne dit rien et le jeu se poursuit. Baïtala en profondeur, repoussé par le numéro 35 des Ayo Agnam. Bâti le numéro 22 à nouveau. Momo est récupéré et non, Momo Serigne. Et on va jouer devant pour Modou Mbacké. Modou Mbacké qui décale pour Ousseynou Thiam. Ousseynou le centre sur le point de pénalty, repoussé par Ahmed Ba à la récupération. Papa Ndiaye, papa, peut-être la passe un peu courte. Attention, mais l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien, Papa Ousmane Sy, qui était un peu en retard sur cette action. Et l'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Et malin qu'il est, ou bien intelligent qu'il est, et fair play qu'il est, il préfère mettre la balle en touche pour permettre à l'arbitre d'aller voir la situation du jeu de l'AC Dekendo, qui est au sol. Et peut-être s'il y a la nécessité d'appeler les secouristes, d'après l'arbitre central.
et ci jamono joju ba legui ñu ngi ci 0-0 lañu daal di tollu jëm ci li nga xamé ni mom moy 8e journée nationale 2 yeen ñi nga xamé ni ñu ngi suivre ci ayo media fi ci diwan bu Louga tay lañu daal di nek rek ngir daal di leen di dektal match retard bi nga xamé ni mom lañuy daal di jouer fi ci stade bu Albouri Ndiaye ci digënté dekkendo ak ki nga xamé ni mom moy ayo Desagnam et di fatali ne pench mom mo daal di gagner ci match retard bobu ki nga xamé ni mom moy Barguet 3-2 et pench mo mëne won 2-0 wa Barguet xex ba am li nga xamé ni mom moy égalisation et malheureusement pour wa Barguet gaay duggal li nga xamé ni mom moy 3e but mu nek victoire ci ñi nga xamé ni mom moy wa pench bi nga xamé ni def nañ aussi opération bu baax jëm ci li nga xamé ni mom moy championnat bi et le joueur de l'AC Dekendo au sol toujours entre les mains des soigneurs en attendant qu'il se relève mom le numéro 88 Baye Ndiassé mom mo daadi won teud nonu et finalement mujjé na juk and ak ñom ngir rek ñu daadi mëna woyelé li nga xamé né mom moy match bi et 40e minute de jeu toujours 0-0 accompagné par un agent de Croix-Rouge et leur médecin mom Baye Ndiassé la frappe de Ahmed Ba way geste fair play lay def ndax daf koy delo wat gaay yi et ballon récupéré par ñi nga xamé ni ñom ñoy wa ayo Fallou Ndiaye Fallou qui va jouer derrière pour l'un de ses milieux de terrain qui rate sa passe récupération bip qui décale pour Mendy peut-être qu'est-ce qu'il va faire Mendy contre et ballon amorti à nouveau dégagement côté ayo Baye Tala mom moy té le crochet Baye Tala day ñak et le Rastaman mom moy té le numéro 22 mom Serigne Gueye Serigne qui décale pour le numéro 34 Bouye Ndiol et malheureusement il va perdre le cuir et Aladji Baba Meng mom moy jouer devant pour chercher Mbip mais c'est Modou Mbaké qui est là le contrôle parfait de Mbaké Modou qui lève sa tête et le centre peut-être directement ci ki nga xamé ni mom moy Aladji Baba Mbeng Aladji Baba l'équipe de l'AC Dekendo de l'AC Djourine aussi un ancien de Ndiambour mom mo nek nonu ci camp ñi nga xamé ni ñom ñoy Dekendo et malheureusement il a raté complètement son dégagement et c'est Modou Mbaké qui est allé chercher le cuir pour effectuer la touche peut-être derrière ou bien devant il préfère jouer devant avec son capitaine non day djegi capitaine bi waye touche bi du bax et Cordo mom cette fois-ci la touche va jouer rapidement avec Mendy pour Yoro qui tente une deux mais malheureusement ça ne passe pas ndax le pressing de ki nga xamé né mom moy Pape Ousmane Sy qui est obligé ou bien qui a obligé à Yoro de jouer de manière précipitée et c'est Modou Mbaké le latéral droit bu ayo mom moy jëli bal bi nonu ginnaw ki nga xamé né mom moy Modou Nya bi mu dadi génné sur blessure mu nek changement bu ñëk bi nga xamé né wa ayo dadi nañu koy def et la touche devant pour chercher Bouye Ndiol qui perd Baye Tala à la récupération pour Cordo pour Mbip way Mbip encore une fois dans ses œuvres mais malheureusement cette fois-ci Serigne Kine mom moy jël intercepté par Papa Ndiaye et la lutte de Baye Tala qui perd dégagement du défenseur tête du capitaine Mom Thiam de Ayo le numéro 32 Ousseynou Thiam et un joueur bu dekkendo mi ngi nonu ci souf et c'est un supporter mo ko signaler en tout cas mom Mbip malheureusement way il s'est relevé en tout cas Mbip un très bon joueur aussi un avenir pour le football lougatois mom Mbip et l'arbitre néna ñu délo wat bal bi ci ginnaw la touche de Modou Mbaké devant pour le numéro 22 mom Serigne Gueye en lutte avec le capitaine dégagement de Ahmed Ba pour chercher Mendy mais la défense est là et le ballon va filer directement ci ki nga xamné mom moy Daouda la relance peut-être de Daouda Wey pour son défenseur central qui temporise encore une fois même s'il n'a pas de solution il préfère jouer avec son coéquipier défenseur le numéro 24 mom Lamine Diakhaté Lamine derrière et le dégagement pour Bouye Ndiol tête de Abou Ndiaye amorti par Mbip encore la passe manquée de Mbip récupération Serigne Gueye le crochet encore Serigne
Serigne Gueye, Serigne pour Modou, Modou pour Bouya Ndiol, attention, le pied est by Papa Ndiaye, day ñet de mon papa, donne crochet ba ci Mendy, Mendy pour Mbip, Mbip pour Papa à nouveau, gaay ang koy jokk jokalante ben par ben, bu ko wa ayo yoré niñ koy défé, bu ko wa de kondo yoré non lañ koy défé. En tout cas, un match ouvert et plaisant parce que chacune des deux équipes essaye de nous proposer quelque chose, même si il n'y a pas encore de solution notoire, c'est-à-dire un but peut-être, mais n'empêche, les deux équipes sont en train de produire du bon jeu ici au stade Al Bouyaï. Et le temps file. Et Bandiassé, la passe manquée de Baïta, la dégagement de Cham Ousseynou. Et touche, 44e minute de jeu. Et Cordo qui va effectuer la touche devant pour chercher Baïtala Mbengue. Baïtala qui a réussi à se tourner, mais malheureusement, Mourou Dokokoye Khagne, Babal Bidey Delouard Finga Khamene, Momoy touche pour Dekondo et ses Cordo toujours du côté gauche. Momoy fait la touche cette fois-ci dans la surface de réparation. La déviation de Baïtala, encore la frappe manquée de Kinga Khamene, Momoy. Abandiassé et récupération côté ñi nga xamné ñom ñoy ayo peut-être day libre wala day dem non day xatch ben djel ben yok passe en profondeur pour Fallou Ndiaye way passe day up dakoy wër mom Fallou dans la surface de réparation de l'autre ben centre Dialoul Fallou en tout cas un joueur la passe pour Baïtala qui remet à Papa Ndiaye papa pour Cordo pour Mbip pour son capitaine, Papa Ndiaye, toujours. Papa, malheureusement, la passe n'est pas bonne. Récupération, Bouya Cham. Bouya, il y a quelqu'un qui a dit que c'est Ousseynou Cham. Encore, le capitaine de l'AIC Ayo, le centre, c'est parti dans la boîte. Dégagé par Ahmed Ba, et ce sera un corner. Et il y a 3 minutes de temps additionnel ici au stade Al Bouyaï pour le compte de la première période. Et c'est toujours 0-0. Ñetti simili dañu ci daal di yok bo ba legui ken dugalagul sa morom dara du ayam du dekkando reteewul match bi mu ngi jax muy neex ndax ñaari équipe yépp heure bu ñu yoré bal dañuy joxé dañu koy jokalante yu am solo même si nak ken dugalagul sa morom dara. Et le 30 qui va tirer ce corner, il y a un tirage de maillot de la part du dossard numéro 30 et sera un coup franc pour l'équipe haute. Boudé Kondo. Et c'est Aladji Baba Mbengue qui va jouer côté droit pour Abdoukhadir Dieye. Abdoukhadir pour Bandiassé qui préfère laisser le ballon filer à Kinga Khamene, Momoy Mendy. Mais malheureusement, il y a un coup franc signalé contre De Kondo. Et c'est Malik Faye qui laisse le cuir derrière. On va jouer avec le défenseur central. Bati Kinga Khamene, Momoy Serigne Gueye. Serigne qui décale pour Modou Mbaké face à Cordo. Modou Mbaké qui a pris le dessus, peut-être le centre en mouvement, c'est parti, intercepté par Abou Ndiaye, et sera un corner. Il y a de la vitesse du côté droit bi côté qui nga xamé ni mom moy Modou Mbaké au moment où Cordo réclame une faute, mais l'arbitre mu ngi nonu joxagn li nga xamé ni mom moy point de corner. Et Modou Mbaké il est obligé à dem jappalé ji feulé gaay ci défense bi gaay gëna ndjol gëna am taxaway dem mbëk. Et numéro 30, mon mot tech balbi non pour jouer comme Abdou Gueye. C'est Abdou Gueye qui va tirer ce corner cette fois-ci en sortant. Et Bandiassé qui a réussi à contourner son vis-à-vis. L'accélération, il est seul devant. Peut-être il va temporiser pour attendre ses partenaires. C'est ce qui est fait. Bati King Hamne Momoy Abou Ndiaye Baïtala, autant pour moi, pour Ahmed Ba. Ahmed qui décale côté gauche pour Bip. Bip peut-être dans la surface de réparation. Bip toujours face à son adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Et bonne défense de Modou Mbaké qui joue rapidement avec Fallou. Fallou pour Bouya Ndiol. Bouya toujours pour Fallou Ndiaye à nouveau. Fallou pour Bouya. Bouya in 2. Et on va jouer derrière pour le numéro 30. Mon mot était non, côté Nyinga Khamene, Nyom Nyoy Wa Ayo. Fallou Ndiaye encore pour le numéro 30. Le moment Abdou Gueye et coup franc de Papa Ndiaye sur Abdou Gueye sifflé par l'arbitre central. Et a rappelé que 3 minutes de temps additionnel est toujours 0-0. Et le 35. Papa Ousmane Sy qui laisse le soin à son défenseur central.
pour mu ñew mom le numéro 24 et c'est directement dans les bras de Aladji Baba mom Lamine Diakhaté et c'est la fin de la première période ici au Stade Albour Ndiaye 0-0 entre Dekendo et Ayo Agnam une première période très plaisante avec de très belles combinaisons mais aussi des occasions même si les cases restent inviolées le jeu est ouvert plaisant et neex na ñi nga xamné ñom ñoo fi daal di nek bu baaxa baaxa baax ndax kenn ko ci ne xeyna yakamti woon première période bi jeex même si gaay ay mbaal yëngu lañuy gën di bëgg waye loolu amagul et en tout cas c'est 0-0 ci ñom ñaar nonu lañu fassiyene démé li nga xamé né rek mom moy mitang dugg ci biir vestiaire jili wat ay consigne ngir bu ko défé kenn ko ci ne indi li nga xamé né mom moy solution ci digënté li nga xamé né mom moy deuxième mitang pour xol ndax exactement gaay dañu mëna duggal wala du duggal mais en tout cas ñaari équipe yépp jox nañu première mi-temps bu ama am so jëm ci li nga xamé né mom moy bi le match en tout cas mu ngi nonu c'est le téléspectateur de Ayo Media c'est la pause ici au Stade Albour Ndiaye entre Dekendo et Ayo des Agnam 0-0 et rendez-vous dans un instant pour la seconde partie merci. Thank you.
No.
La reprise ici au stade Albouri Ndiaye de Louga pour le compte de la 8e journée en retard entre Dekendo et Ayo des Agnam. Comme vous le savez, c'est 0-0 en première période. Et encore une fois, ici au stade pour Albouri Ndiaye de Louga. Ah.
sur ce coup franc pour Ayo des Agnam, parti dans la boîte. Attention, et c'est l'ouverture du score. Oui, c'est l'ouverture du score côté Ayo des Agnam après un coup franc bien tiré par le capitaine. Un coup franc bien tiré par le capitaine et le buteur. On va essayer de... Quoi? Arrête le zébé, comment? Prends le tiré. Ah bon? Mais... Ok. Oui. Heureusement pour Dekendo et malheureusement pour Ayo. C'est un coup franc que l'arbitre a sifflé sur cette action. Du coup franc bien tiré par le capitaine et malheureusement, arbitre bi loxo bi ni muko joxe mo baxul ndax ni muko tiré baxul motax danaka ñu ci bëré bëré ci stade bi bi lañu considéré won et malheureusement coup franc le tiré pour wa Dekendo. Boy pom. Et en tout cas la reprise ici au stade Al Bourdia ginnaw première 45 minutes yi nga xamné def nañ ko et bobu ba légui 0-0 lañu daldi def ci jamono ji à part occasion bi nga xamné mom mo ci am légui ni bok ci li nga xamné mom moy ce coup franc et ci liñu mel arbitre bi coup franc la daldi tirer mom motax 0-0 lañuy doré wat li nga xamné rek mom moy deuxième mi-temps bi et Modou Mbacké mom moy xex nonou et dégagement du joueur de Ayo bu jëm li nga xamné mom moy touche pour Cordo le latéral gauche de l'AC Dekendo mom moy jëli balle bi nonou pour jouer cette touche Cordo devant pour chercher Mendy qui tente de se tourner et finalement c'est Baïta là la récupération pour jouer avec Yoro Diop. Yoro pour Papa Ndiaye qui va tenter une frappe un peu hésitée sur cette action et finalement c'est le capitaine Cham Momoy Djel Balbinon, il temporise pour voir un partenaire démarqué devant et c'est peut-être pour qui nga xamene Momoy Aladji Baba qui laisse le cuir entrer dans la surface Momonko Diop def relance bu goddu ci qui nga xamene Momoy Papa Ndiaye le capitaine Papa pour Baïta Lambaï, le contrôle de Baïta là, la passe en profondeur pour Baïdiassé. Baïdiassé, l'accélération dans la surface de réparation. Attention, et le contrôle un peu élevé et la sortie de Daoud. Si, le gardien de but, Ayo, Momoy def ben relance pour son latéral. Gaï Yoko Tikanam et Balbi, dañu koy ñak Baïta Lambaï, Djel Danou, arbitre sifflé touche. Contre Dekendo et le numéro 30. Mom Abgeye et coup franc pour l'AC Dekendo et Baïtala qui a obtenu cette faute en attendant qu'arbitre vienne comme arrière et Serigne Gueye devant le ballon pour empêcher Baïtala de jouer gaw gaw et c'est Abdou Khadir Gueye le latéral droit bu AC Dekendo mom moy jouer mom moy coup franc bi devant la déviation dans la surface et c'est Daoud aussi l'équipe qui tek loxom ci balle bi def ben relance bu goudou pour Serigne Gueye pour Fallou Ndiaye autant pour moi Fallou derrière pour Modou Mbacké le contrôle manqué récupération Bip face à Modou Mbacké Bip qui va faire un centre non il préfère jouer avec Papa Ndiaye qui tente une deux mais malheureusement il y a une position d'orzo signalée par l'arbitre central et Daoud aussi la relance pour son latéral Malik Faye Malik pour Serigne Gueye, Serigne, Bati Fallou Ndiaye à nouveau, Fallou qui remet à Oudassar numéro 35, Momo Pape Ousmane Sy pour son capitaine Cham qui décale pour Modou Mbacké qui remet à Cham et la tête de Cordo et finalement touche pour l'équipe visiteuse, on joue rapidement Modou Cham pour Serigne Fallou pour Modou Mbacké, le centre c'est parti dans la boîte, peut-être pour qui nga xamene mom moy Eladji Baba Mbeng, le gardien de but de Dekendo qui va effectuer engagement pour chercher Mendy encore la tête du 33 bâti le dossard numéro 24 moment Lamine Diakhaté pour son coéquipier Mourtiam la déviation et malheureusement il n'y a personne même le capitaine le numéro 30 ou bien ouais
Abdou Gueye, le capitaine Cham. Encore la tête de Mendy pour Baye Ndiassé, le contrôle manqué et malheureusement touche pour Aïssé Ayo Desagnam, la touche effectuée et la remise pour le 22 côté Ayo Serigne Gueye, la passe en profondeur manquée. Et Aladji Baba Mbeng. Aladji Baba, le gardien de but, la relance pour Ahmed Touba. Pressing de Bouye Ndiol, le dégagement de Ahmed pour chercher Mendy et la balle repoussée par la défense. Et récupération, Momo Serigne Gueye. Serigne pour Bouye Ndiol, l'arbitre ne dit rien et Baïtala la récupération. Il joue rapidement avec Yoro. Yoro, l'accélération de Yoro qui cherche un partenaire et le tacle parfait du joueur de Ayo Agnam et finalement sera une touche pour Aïssé Degendo et c'est toujours Abdou Khadr Dieye devant pour chercher Baye Ndiassé, accroché, l'arbitre ne dit rien et finalement la touche va revenir à l'équipe visiteuse, le précisément au 233, Momo Malik Faye qui joue rapidement pour son défenseur qui se lance pour chercher Bouye Ndiol entre deux joueurs, il a fini par récupérer le cuir et l'arbitre ne laisse pas l'avantage pour l'attaquant de l'équipe visiteuse, le numéro 34 de Bouye Ndiol. Et c'est le numéro 22. Serigne Gueye. Devant. Et Baïtala pour Thiey. Baye Ndiassé, def koy woor Baye Ndiassé, l'accélération. Le tacle. Oui. Et le dossard numéro. Le dessert numéro 26 pour Ayo Momo Cheikh Mbake Sek qui se couche pour récupérer le cuir et malheureusement touche le Moudié. On joue devant Baye Ndiassé Serigne Gueye. Momo Cheikh avec Baye Ndiassé récupère le ballon. Baye avec le dessert numéro 35 Serigne Gueye dans ses œuvres. Et finalement il a obtenu une faute Momo Serigne Gueye. En tout cas un très bon joueur le numéro 22 pour Ayo Momo avec Fallou Ndiaye. En tout cas, ce sont des joueurs qui impressionnent pas mal le public. Et l'attaquant Bouye Ndiol qui perd récupération Papa Ndiaye pour Yoro. Yoro, Inde, Diallo et Bataille. Gueye Moïté, Papa Ndiaye à la récupération. Le capitaine qui va jouer derrière pour Ahmed Touba. Ahmed Touba pour Abou Ndiaye. Abou, le pressing de Fallou Ndiaye. Abou qui est obligé à jouer avec Mbip qui tente de se tourner finalement. Il va s'appuyer sur Cordo. Cordo face à Modou Mbaké, il préfère jouer avec Mbip toujours. Day xoti wala bef en passe en dehors pour Baïtala dans la surface de réparation, le centre c'est parti Mbip le loupé. Mbip qui était un peu précipité sur cette action finalement, il a perdu l'appui et c'est Daoud Sy qui capte le cuir et le dégagement manqué Baye Ndiassé pour Mendy. Mendy en profondeur, récupéré par Chambake Sek. Chambake pour Serigne Gueye. Serigne face à Abdou Khadr. Là, il a accéléré. Le tacle parfait de Abdou Khadr. Allô. Ok, Mouginon la tête, ballon repoussé par la défense de l'AC Dekendo et à la récupération. Touche pour Ayo Agnam et on joue rapidement dans la surface, directement dans les bras de Kinga Khamene, Aladji Baba qui va faire une relance. Abdou Khadr Dieye devant pour Mendy, la tête de chez Abdou Khadr Sek. Mendy toujours qui a le cuir, il doit bien crocher, il va tenter une frappe de loin et c'est le portier
Mom Daoud aussi qui récupère le ballon et il va jouer devant. Et récupération toujours. Nous savons qu'ils sont à Ayo Agnam, le dossard numéro 30, qui préfère jouer dans l'entrejeu. Et ballon intercepté par Papa Ndiaye, le 35. Côté Ayo Baptiste Fallou Ndiaye, qui prolonge jusqu'à Serigne Gueye. Et malheureusement, c'est un coup franc. Mom l'arbitre lui a signalé pour nous savons qu'ils sont à Ayo Agnam, qui est une pure zone, qui a joué l'inimène. Et long dégagement de Kinga Khamene, la passe en profondeur est interceptée par Habib, par Kinga Khamene, Ahmed Ba, malheureusement. Et encore, on joue pour Kinga Khamene, Ndiol et Bayndiassé qui a Ayo Agnam qui sort. Mon le gardien de but de Kinga Khamene, qui sort pour récupérer le cuir. Et la passe en profondeur côté ñi nga xamné ñom ñoy wa ayo ba légui le ballon amorti par Baytala et Serigne Gueye mom moy xex non et l'arbitre va trancher en faveur de l'AIC Dekendo. Et c'est toujours 0-0 et ñu ngi ci li nga xamné mom moy 15 minutes jouées, c'est-à-dire 60e minute, toujours 0-0 ici au Stade Albour Ndiaye de Louga. Et c'est Ahmed Ba devant le ballon. Et encore ballon repoussé par Maké pour récupérer le capitaine Bati ki nga xamné mom moy Fallou Ndiaye. Fallou pour son capitaine, la talonnade pour Fallou à nouveau de koy seul pour son latéral Modou Mbaké face à Cordo. Qu'est-ce qu'il va faire Modou Mbaké encore une fois day def ben percé. Et arbitre lu wax néna dara amul en tout cas Modou Mbaké qui a de la vitesse bi moy deuxième course bi nga xamé né da dina koy réussir jëmele ko ci action yi muy amé tout à l'heure et mom mi ngi non ci souf ba légui et Papa Ndiaye est obligé à sortir le ballon pour permettre à l'arbitre ñeu xol la situation de Modou Mbaké bi nga xamé né gis nañ daw bu am solo bi nga xamé né mom la def tout à l'heure ci action bobu. Et en tout cas, mon l'arbitre. Et toujours 0-0 ici au Stade Albour Ndiaye de Louga entre Ayo Agnam et Dekendo. Et Ndiaye en profite aussi pour joxe ñi nga xamé ni mom moy consigne que du Cordo ndax ñakul Modou Mbaké sûrement. Li nga xamé né mom moy accélération yi nga xamné Modou Mbaké mi ngi koy def tout puis bobu et dañ koy joxé li nga xamé né mom moy remise et Dekendo et 61e minute de jeu, toujours 0-0 et la touche d'Abdoukhadir Djey, la tête de du latéral gauche et Papa Ndiaye pour Abdoukhadir Djey qui se lance devant pour chercher Mendy en lutte avec le défenseur central Bou Ayo qui tente de protéger le cuir bamou guen 5m50 mais il a réussi à mettre son pied et c'est le 22 mom Serigne Gueye moi jouer avec son capitaine Bou Ayo Agnam mom Tiama et Koufran. Et coup franc pour Ayo Agnam ci bir zone ci ki nga xamé ni mom moy le capitaine Ousseynou Thiam. Et on joue côté équipe visiteuse et Mendy qui demande au joueur pour Ayo mu xol fu muy tek balle bi. Et c'est un coup franc sur rond central pour Stade Albour Ndiaye.
et on joue rapidement devant Ahmed Ba qui laisse le ballon à Aladji Baba Mbeng. Aladji pour Abdoukhader Diaye, pressing de Fallou Ndiaye. Abdoukhader toujours, il a réussi à faire une passe et l'arbitre va revenir sur la faute de Fallou Ndiaye commise sur Ahmed. Abdoukhader Diaye, autant pour moi, le latéral droit, Aïssé Degondo, Momam Koufran, non, on joue devant. Abdoukhader pour Yoro Diop, repoussé par le joueur Bou Ayo à la récupération. Papa Ndiaye qui va tenter une frappe. Pah. Au-dessus de la barre de Daoud Sy. Daoud Sy qui joue rapidement avec son défenseur central. Pour Serigne Gueye, Serigne qui remet à l'autre défenseur. C'est Modou, pas Modou Nia, mais c'est Malik Faye. On joue devant pour Ndiol. La tête de Baïtala, passe de Ahmed Ba et la perte de balle. Tcham dans la surface de réparation face à Aladji Baba Mbeng. Et c'est l'ouverture du score. Et c'est l'ouverture du score après cette perte de balle. Dans l'entrejeu de l'AC Dekondo, le capitaine en a profité pour ouvrir le score à la 63e minute de jeu ici au stade Albour Ndiaye de Louga. Le capitaine, c'est lui. Moma Ousseynou Tcham qui vient d'ouvrir le score pour Ayo de Zanyam à la 64e minute de jeu. Ayo 1, Dekondo 0, match comptant pour la 8e journée. Retard du championnat national 2. À la 64e minute de jeu, Samba, c'est le Nina Khamene, Nyomnewa, Ayo Anyam Dari, Lakitia, Roi Dekondo. Et le petit poteau de Ahmed Cheikh. Et Mignon, un autre centre, cette fois-ci, c'est directement dans les bras de qui nga xamné mom moy Aladji. Et Yoro, mom moy day japp ci qui nga xamé né mom moy Cordo, le latéral, qui prolonge jusqu'à Mbip, Alim Gueye, Mbip, des Khoti. Je me demande, yo koti kanam. Mais cette fois-ci, c'est pour Baye Ndiassé, bousculé, et finalement, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. Il parle avec l'assistant numéro 1, et Fallou Ndiaye au sol. Oui, peut-être c'est la fatigue, mon Fallou Ndiaye qui est au sol. Et c'est toujours 1-0 et on est à la 65e minute de jeu. On est à la 65e minute de jeu. Ayo Anyam qui marque à la 64e par Ousseynou Tcham, le capitaine. On m'a dit de Google. Pour ñi nga xamé ni ñom ñoy wa Ayo des Anyam fi ci stade Albour Ndiaye de Louga en attendant ñu xol Fallou. Exactement, lan moko dati dal ndax dina meuna continuer wala ndax dañ koy remplacer. En tout cas mu ngi nonu ci loxay wa Croix Rouge ak wa Sapeur pour rek mu meuna jukku ngir rek ñu meuna wayal li nga xamé ni mom moy bi dess ci match bi baretul mu jeex. E Baytala aussi mu ngi nonu di jël consigne ci le coach, amna lu ñu waxante ñom ñaar. Fallou Ndiaye toujours entre les mains. Et 1-0 ici au stade Albour Ndiaye. Fallou, nous sommes là. Nous sommes avec ses soigneurs, mon Fallou Ndiaye. long dégagement de Daoud Sy se lance encore Abou Ndiaye pour Abdoukhader Diaye, Abdou pour Baye Ndiassé qui dévie pour Baïtala en lutte, mais malheureusement il perd le cuir et récupération. Waouh,
Ayo, le tassard numéro 35, Momo Pape Ousmane Sy, et dégagement de Abou Ndiaye, ballon amorti par Baïtala, dégagement de Pape Moussa Sy, Bati Bouya Ndiol, l'arbitre ne dit rien, et en lutte avec Papa Ndiaye. Et Minginon, Koufran, rapidement joué, Yoro, Mom Ak Seringue, Nyom Nyoy, Diap Pantenon, et finalement touche les Donat, pour Nyinga Khamene, Nyom Nyoy, wa De Kondo. Et c'est Abdoukhadr Diaye. Abdoukhadr devant pour Baye Ndiassé qui remet peut-être Abdoukhadr. Non, il tente de se tourner encore. Deux joueurs, Mouhamma Touche, Mouhamma. Abdoukhadr Diaye. Abdoukhadr dans la boîte. Et ballon heureusement dégagé par la défense côté Ayo. Bati ki nga xamné mom moy Bouya Ndiol. Teubul Abu Momo Top. Arrivé de stifler li nga xamné mom moy dégage. Non, bi. Gaï Kass ne lolou du yon et mon Bouya sûrement il va prendre un carton ndax arbitre mi ngi non di fep di ñew ci mom et gis nañ ñi nga xamé ni ñom ñoy wa joueur ayami ñing koy ñaanal diko ñaan pour mu bañ ko jox carton way ñing koy ñaan ndax da naka ko jox wala du ko jox waye wona ki nga xamé ni mom moy le 34 di Bouya Ndiol pour jël carton jaune sûrement après ce geste bi nga xamné mom la daal def mom l'attaquant de Ayo qui vient découper un carton jaune ici au stade Albour Ndiaye encore touche lay donne pour wala coup franc pour Aïssé Dekondo et c'est le capitaine Papa Ndiaye wa di néna ko nga arrière du fofé le coup franc daal di amé donc mom papa le capitaine de l'Aïssé Dekondo il est obligé à def arrière pour mëna dor li nga xamné ni mom moy coup franc. Et c'est Baïtala cette fois-ci qui va frapper ce coup franc. Baïtala Mbaye avec son dossard numéro 10. Baïtala qui va effectuer ce coup franc dans la boîte et la bonne prise de Daouda Sy qui capte le cuir tranquillement et il prend un coup en même temps. Abou Ndiaye et ñom ñaar ñom ñoo nek ci souf nonu sa yow zor bu yaqum wax kaas ñi nga ni wa foy évoluer champion deug nga ami ngi nonu en tout cas anela Et à la 70e minute de jeu, il ne reste que 20 minutes. Il ne reste que 20 minutes. Li nga xamné mom moy match bi pour gaay jëm li nga xamné mom moy ci jéxantal bi et bobu légui ñom wa ayo ñom ñoo mëne ben bal ci dara ki nga xamné mom moy Ousseynou Thiam le capitaine mom mo daal di duggal et le dégagement de Ahmed Ba pour chercher Baïtala Mbaye, la déviation devant pour Mendy, dégagement du joueur de ki nga xamné mom moy Ayo Agnam le numéro 33 et encore directement ci ki nga xamné mom moy Elhadji Baba Mbeng, la relance pour Abdoukhadir Diaye. Abdoukhadir Diaye, le contrôle pour Ahmed Ba, le défenseur central. Ahmed qui lève sa tête devant pour chercher Yoro, mais encore la tête du joueur bu Ayo Serigne Gueye mom mo don xaar waye du jall et balle bi day guen li nga xamne mom moy touche pour Ayo et on attend le latéral gauche de vert et blanc mu ñeu def li nga xamé ni mom moy la touche et la touche effectuée par le joueur tête de Baye Ndiassé pour Baïtala qui se lance devant pour chercher Mendy mais c'est le défenseur Thiam qui est là encore une fois ballon perdu récupération le dossard numéro 30 qui prolonge jusqu'à son excentré mais ballon intercepté par Mbip mom le 30 de Ayo mom Abdou Gueye et ballon perdu on décale pour Abdou Thiam le capitaine Ousseynou encore dans la surface de réparation le capitaine de Ayo il a complètement dévissé sa frappe et malheureusement pour lui c'était une balle de 2. Et heureusement pour l'AC Dekondo et Abdoukhadir Diaye qui joue rapidement pour Papa Ndiaye. Papa qui remet Abdoukhadir. Abdou pour Baïtala. L'efface de Baïtala pour Yoro Diop. Yoro pour qui? Yoro toujours qui a le cuir. Il cherche un partenaire finalement. Papa Ndiaye là il dem et malheureusement la balle a été déviée. Non, c'est une touche et cette fois-ci c'est pour l'AC Ayo Desagnam et Baïtala. Voilà au sol. Oui, oui. Il se sent quelques douleurs peut-être mon Baïtala. Mama Baïtala qui est au sol et l'arbitre mungi nonu dem nañ xol pour Koliko Mama Baïtala finalement il s'est relevé
Finalement, il s'est relevé, il va sortir sûrement en attendant que Ayo def li nga xamé ni mom moy seen changement le dossard numéro 28 Zakaria Banoré ou bien Bassoré. Zakaria mom moy ñew nonu. Zakaria qui va prendre la place de Diol Bouye Boy Diol Diola Bouye Diol qui cède sa place à Zakaria. Zakaria moy ñew nonu ak le dossard numéro 28 et changement aussi côté de Kondo le dossard numéro 11 qui va effectuer son entrée mom Seydou Thioubou à la place de qui on ne sait pas encore, en attendant que le tableau s'affiche pour nous savoir exactement mon Seydou Thioubou quand l'a remplacé ci li nga xamé ni mom moy ce match. Il paraît que c'est le dossard numéro 22 mom Aliou Gueye plus connu sous le nom de Bip. En tout cas, il a fait un bon match mon Bip. Malheureusement pour lui, il va céder sa place à Thioubou Seydou. Bip, ouais, il a réussi à faire un match le titan, il est remplacé par Thioubou côté gauche. Et la touche va être effectuée, le latéral gauche côté Ario. Et encore touche pour l'équipe visiteuse. Et le dossard numéro 33, Momo, il est touche. Non, Momo. Malik Faya. Et dégagement de Serigne Gueye pour son capitaine. Mohamed Thiam et le pied un peu élevé de Mendy, mais l'arbitre ne dit rien. Et encore un coup franc, l'arbitre n'a pas laissé l'avantage. Il préfère laisser ou bien tirer un coup franc pour le capitaine Papa Ndiaye qui joue rapidement pour Abdoukhadir Dieye. Abdou Moïté, de Yoko Tikanam pour Diap Tioro Diop, Yoro qui est amorti et Serigne Gueye de Kokoy Khagne. Tek Tankam, dégagement peut-être non. Il préfère temporiser la tamou Yoko Balbi pour Zakaria qui est en position de jeu. Mom Abdou Gueye qui a réussi un coup, mais malheureusement Zakaria était en position d'orzo et il ne va pas toucher encore sa première balle depuis Bimoudougué chez Marchubi. Et c'est Abdoukhadir Dieye qui pose le ballon pour jouer ce coup franc ou bien cette position d'orzo signalée côté de Kondo. Et la déviation de Baïta a manqué, repoussée par la défense, battu son capitaine Ousseynou Thiam. Et malheureusement ça ne passe pas. Et touche Laydon pour ñi nga xamné ñom ñoy wa de Kondo. Cordo mom mo koy té nonu. Cordo devant, dégagé par la défense, récupération Zakaria et le pied de Papa Ndiaye. Encore une fois, l'arbitre va laisser l'avantage pour Fallou. Fallou Abou Ndiaye en lutte avec Zakaria. Et finalement, c'est un coup franc de Zakaria sur Abou Ndiaye. Même si Fallou boite, Fallou finalement, il est obligé à Agathe Souf avec son pied gauche. Petit genou biloté, mon Fallou Ndiaye. Le numéro 21, Bouayo, et l'arbitre, non. Hall, mon Fallou, nak dana mëna yéggalé wala du yéggalé gaay ñi ngi non kay ma mayal loxo Ahmed pour nga juk waye Fallou bañ na et arbitre daf ko wi daali baye kon sûrement il va continuer à jouer Ndiaye le meneur bu Ayo et Abou Ndiaye mom mo té nonu xaar pour siffle bi daali juk papa démarqué waye il préfère jouer devant ak Mendy balle bi un peu long qu'il est il a fini sa course ci li nga xamé ni mom moy 5m50 et c'est Daoud aussi le gardien de but do ayo de zanyam mom moy tek bal bi nonou pour jouer et di fatali ni li 8e journée retard la et ñaari match la won ndax amuñu won force de sécurité motax match yo ñu dakhon ko et ñom penci mo ñoo gagné li nga xamé ni mom moy wa Bargué 3-2 et jamono ji dekkando ki nga xamné mom moy ayo mom moko daldi mené ben bal ci dara et mom Serigne Gueye moyté da don xoli Zakaria waye ballon intercepté par Ahmed Baye on joue rapidement ak ki nga xamné mom moy le numéro 35 qui va jouer derrière pour son défenseur mom Pape Ousmane Sy. Et le 24 qui se lance, mon Lamine Diakhaté devant pour chercher son capitaine Mohamed Thiam. Mohamed Thiam face à Abou Ndiaye. Il ne prend pas de risque, mon Abou Ndiaye. Mauvaise passe de Abou Ndiaye. Encore le 30, mon Moussa Sy Moïté. Et Diap qui Fallou Ndiaye qui remet. Ballon intercepté par Cordo ou bien par Papa Ndiaye. Papa pour Mendy qui rate complètement son contrôle à terre. Nakhdan Kounongo, arbitre de Koy Bagn. Belégi Gaye de nous jouer le défenseur central côté Ayo. Moïté, il sigui, def ben centre contré par Abou Ndiaye. Ahmed qui tente d'appeler qui nga xamné mom moy Alaj Baba finalement mom moy guen et Baye Ndiassé le pied mais l'arbitre ne dit rien laisse l'avantage ak Baïta Mbaye qui décale côté gauche pour Thioubou bi doga ñew Thioubou moy té temporiser sigui xaar ku guen mu jox ko
ba légui mom ci moy té entre deux joueurs il a fini par faire une passe pour ki nga xamné mom moy yoro ki dégal côté droit pour Abdou Khadir Dieye Abdou Libre de tout marquage qu'est-ce qu'il va faire un centre pour Mendy et dégagement du joueur de Ayo et Baye Ndiaye qu'est-ce qu'il va faire contrôle lay def japp ci ki nga xamné mom moy Thiobo encore Thiobo le centre de Baye Ndiaye c'est dans la boîte dégage catastrophe par le défenseur et ce sera un corner pour l'Aïssé Dekondo. Corner pour l'Aïssé Dekondo, Baye Ndiaye, est-ce qu'il va le tirer directement ou bien il va le faire à la Roumance, on ne sait pas encore. Et Baye Ndiaye, c'est mon mouille d'or corner. Maintenant, 32e minute, tu sais que c'est l'Aïssé Dekondo. Et l'arbitre est en train de jouer, il a le ballon pour jouer, il a le ballon pour jouer, il a le ballon pour jouer. Et finalement, c'est Baye Tala, mon mouille est venu avec le pour jouer. Maman Baye Ndiaye, bien Baye Tala qui va tirer ce corner et vous entendez et le coup de sifflet est donné Baye Tala le corner encore la tête de Yoro à côté du but de Daoud Sy et finalement 5m50 pour l'équipe visiteuse qui pour le moment tient le bon coup car ñom ñoo mené ben bal ci dara ci kanam ñi nga xamné ñom ñoy dekkando à la 63e minute par Ousseynou Thiam le capitaine après une perte de balle ci le profito dadi accélérer dadi ñow rek def ben frappe dadi dougal pour wa ayo desagnam qui mène pour le moment 1-0 ici au stade Al Bourdiaye et c'est Daoud Sy le gardien de but qui va se dégager devant pour chercher Zakaria et Papa Ndiaye qui saute et malheureusement il ne touche pas le cuir et c'est Ousseynou Thiam le capitaine qui amorti pour prolonger ak nga xamné mom moy Zakaria le contrôle et malheureusement il y a position de jeu. Malheureusement, il y a position de jeu. Et Abou Ndiaye qui va jouer rapidement pour mettre bas devant pour chercher Baye Ndiaye. Le contrôle, encore attention de pied. Et heureusement que Yor Momoy se l'a déjà parti Baye Ndiaye qui laisse à Baye Tala. Baye Ndiaye toujours de Baye Tala. Applaudi par Ahmed. Qui a applaudi Baye Tala sur ce geste. Bimou def mais malheureusement ñun ay sétan kat la ñu am lu ñu encourager ñi ngi nonu en tout cas et vu le stade bu done nawetan ñom du fi xaj boy ñoy tañ nawetan di amet boy ñoy tañ nawetan ñom lañuy tag ci nawetan tantu mu reesi ki da da wara genn fi bu mo nak bu gey sa jari malheureusement pour Louga ñom ñoy toj nawetan ni ñom lañuy tag ci nawetan ni rek di sétan tok di sétan yal nañu gën sans pour autant ñu xol parcours boy di def en tout cas mi ngi nonu ayo ñam comme ni doxé on a la chance ñu sétan ko Kaffrine ci phase nationale et c'était une très belle équipe même si sori wuñu fo wala bëgguñu liñu bëggoon amuñu ko gis nañ aussi jeu bi nga xamné ñu koy produire fi ci stade Al Bourdiaye et Modou Mbacke mom mo nek non day jox ki nga xamni mo Fallou Thiam day yokal Ousseynou Thiam Thiam le buteur le premier le centre en retrait et la parade de Patrick la parade de Eladji Baba Mbeng mais le deuxième tir est à côté du but de Eladji Baba après un bon centre de Modou Mbacke ou bien de Ousseynou Thiam le buteur qui a fait un retrait et malheureusement pour Zakaria qui a pêché sur cette action et heureusement pour l'Aïssé Dekondo que Eladji Baba était sur ses appuis pour repousser le cuir encore une fois un très bon centre de Ousseynou Thiam et malheureusement pour Zakaria qui a fait l'essentiel mais malheureusement pour lui il a trouvé un grand gardien devant lui et ce gardien n'est rien n'est qui que qui nga xamé né mom moy Eladji Baba Mbeng et peut-être la deuxième chance côté Ayo mais malheureusement daf ko dadi raté en tout cas c'était une occasion nette pour aussi ñi nga xamné ñom ñoy wa Ayo et il ne reste que 10 minutes ci li nga xamé né mom moy match bi toujours 1-0 ñom wa Ayo ñom ñoy té nonu yar bu néna dara amul vous entendez le cri des joueurs de l'AC Agnam sur la banc et le dossard numéro 30 mom mo nekk non mom Abdou Gueye et on joue contre et tous. Touche encore pour Aïssé Dekondo. Il y a deux ballons. Ben bi day guen nank. Mon papa daf koy daal di dégager mu dem. Mon papa Ndiaye daf koy daal di dégager balle bi dem. Qui récupère le cuir et Serigne Gueye lu muy tenter dégager ko mu jall neul. Il récupère tente ko mu dem fele mais malheureusement batay mom jallul. Et la touche d'Abdou Khadir pour son gardien de but Eladji Baba Mbeng
qui va se lancer devant pour chercher ses attaquants. La déviation, tête du dossard numéro 35, Bo Ayo, mon Pape Ousmane Sy. Et encore, le feuilleur, mon Abdou Faye Gueye. Hein? Abdou Faye Gueye est malheureusement couvrant l'arbitre de siffler pour Dekondo. Abdou Khader qui pose la main sur le ballon et qui prend de l'élan pour se dégager. Et le dégagement de Abdou Khader, la déviation, ballon repoussé, amorti par Serigne Gueye. Attention, le pied à la tête, Sandrine Paye, Papa Gueye, Serigne Gueye, Serigne Gueye toujours qui a le kiwir. Serigne qui dégage côté gauche pour qui n'a pas de mon moins faille. Si, encore une fois, le numéro 30 de Ayo, le centre, c'est parti, la tête, encore Zakria avec Babon Benga. Encore une fois, on joue rapidement, moment Ahmed Ba. L'arbitre n'est pas arrière. Voilà, Tek Kofran, bonjour rapidement, mon Aladji Baba Benga pour Ahmed Ba. Ou bien pour Abdelkader Dieye qui se lance devant pour CRC Mendy Faye. Mendy qui commet une faute, l'arbitre ne dit rien. Et mom, le dégagement du défenseur, ballon amorti par Yoro. Yoro pour Papa Ndiaye, Papa qui remet à Yoro. Yoro, qu'est-ce qu'il va faire? Il devrait faire jouer derrière, mais malheureusement, ballon repoussé et la défense côté Ayo, mon Moïté, ni pressing de Mendy et le 30, mon Moïté, mon Si. Si, encore pour Serigne Gueye, Mouta Adjelat, le dossard numéro 30 pour Ayo, Moudia Fallou Ndiaye, Fallou Diokh le 30, et la passe devant pour chercher Ousseynou Thiam, et malheureusement ça ne passe pas, mon Abdou Faye Gueye. Abdou Faye Gueye, devant, pour jouer avec Cordo, accrocher, c'est un coup franc. Coup franc pour Dekondo, en tout cas c'était une belle combinaison entre Fallou Ndiaye, Gueye, à qui nous ramène mon Ousseynou Thiam. Et il y a un joueur pour Ayo au sol. En tout cas, mon nom. On est à la 85e minute de jeu, toujours 1-0 pour Ayo des Agnam. Et c'est pour le compte de la 8e journée de retard du championnat national 2. Ici au Stade Al Bourdiaye, a rappelé que Pinchy a battu Vargué 3-2, et pour le moment c'est Dekondo qui est mené par Agnam de Ousseynou Thiam à la 64e minute. En tout cas, pour le moment, une opération. Bah, ci côté ñi nga xamé ni ñom ñoy wa Ayo, parce que buñu xolé li nga xamé ni mom moy taxaway bi nga xamé ni dañ koy am ci classement bi day nekk lu ama am solo. Ndax pour le moment ñom ñi ngi ci 17 points et suñu amé victoire bi ni dañuy am 20 points et 5 points mom mo fassiyene départager ñom ak ñi nga xamé ni ñom ñoy wa Ayo ñom ñok wa Zok et ci noné premier tour day daadi jeex ñu wara entamer li nga xamé ni mom moy deuxième tour yi kon japp naané ñom Ayo actuellement def nañ opération bu am solo ci li nga xamné mom mo match bi fi ak match bi di jeex ndax dess na lu tollu ci juroomi simili et toujours 1-0 en faveur ñom ñi nga xamé né ñom ñoy wa Ayo des Agnam. En attendant que le joueur se relève pour ñu mëna woyel li nga xamé né mom moy le match. Changement, le dossard numéro 21 qui va sortir pour céder sa place au dossard numéro 29. Et c'est Fallou Ndiaye, oui. En tout cas, qui sort pour céder sa place à Konou Kan. En tout cas, c'est Kan. Ibnou Kan, hein? Ibnou Kan, c'est Ibnou Kan qui prend la place de Fallou Ndiaye. Fallou, si, qui a fait un très bon match, mon Fallou Ndiaye, qui a fait un très bon match, oui. Qui sort en boitinant, mon Fallou Ndiaye. Et
individualité yi mën nañu gis ni gaay ñi def match ku melni mbip mu ngi doon def match côté de Kondo ku melni Papa Ndiaye aussi attention Mendy la tête dans la boîte et c'est pour Daoud aussi mbip ci côté de Kondo def na match Ousseynou aussi def na match Baytala aussi match yoro match Baye Diassé aussi def na match en tout cas ci individualité yi def nañ match yu am solo côté Ayam aussi gis nañ ku melni Fallou Ndiaye bi nga xamné mom mo genn ku ci melni Ousseynou Thiam le capitaine aussi match mom bi nga xamné aussi mom moy Serigne Diey tamit def nañ ay match yu am solo ci mom moy le match ci rencontre bi de même que Bouya Ndiol l'attaquant bi nga xamné aussi mom genn aussi def na prestation bu am solo juste pour montrer que ni dans les deux équipes il y a des joueurs yi nga xamné ni ils ont de la qualité ouais. C'est ça que notre football a besoin. Oui, et des jeunes nga xamné et des jeunes prometteurs qui peuvent demain porter le maillot de l'équipe nationale et c'est possible en tout cas à travers ce jeu bi nga xamné ñaari équipe produire nañ ko wax nañ né il y a du bon jeu mais aussi des joueurs de bonne qualité yo xamné ñu ngi fi ci ñaari équipe yep en tout cas les régions méritent aussi franchement d'être suivies par la DTM pour une sélection. Nous disons que nous avons des joueurs de des régions. Et en tout cas, c'est un corner. Un corner pour l'AC de Kondo. Et c'est Baye Diallo. Nous avons travaillé dans le Chicano. Et on est presque à la 88e minute de jeu. Il ne reste que 2 minutes. Et le corner de la gauche vers la droite. Mais Baye Diallo qui s'apprête à frapper le corner, c'est parti, attention! Et c'est l'égalisation. Et c'est l'égalisation de l'AC de Kondo et Baye Ndiassé qui a permis à l'AC de Kondo de revenir au score. Et Baye Diallo après un corner bien tiré, un corner rentrant. Et Baye Ndiassé, si je ne me trompe pas, a réussi à mettre le ballon au fond des filets après 89e minute de jeu et c'est l'égalisation de l'AC de Kondo après un corner bien tiré par Baye Diallo Mbaye qui a permis peut-être à Baye Ndiassé peut-être ou bien il l'a tiré directement on ne sait pas mais en tout cas le ballon a été touché et c'est un but partout ici au stade Al Bourdiaye et c'est reparti mon Baye Ndiassé qui passe le tour pour Mendy et en c'est une touche à 89 minutes de jeu et Minon et la touche effectuée pour Mendy encore une fois et sûrement 6 minutes de temps additionnel ici au stade Al Bourdiaye entre De Kondo et Ayo Ayam. Le but de Kinga Khamene, Mohamed Thiam, et l'égalisation de Baye Diallo. Et 6 minutes de temps additionnel dans la boîte. Ballon repoussé par un joueur de Ayo et touché encore. Touché encore de Abou Ndiaye dans la boîte, la déviation. Et corner. Corner pour l'AC de Kondo. Et c'est Baye Diallo Mbaye qui a tiré tout à l'heure, qui est allé tirer à nouveau ce corner. Baye Diallo qui lève ses deux mains, le corner c'est parti encore une fois, ballon repoussé par Serigne Gueye, peut-être tête de Abou Ndiaye, une nouvelle tête du joueur de Ayam, la remise de Papa Ndiaye dégagée par la défense pour Ayo, peut-être Papa Ndiaye qu'est-ce qu'il va faire, le contrôle et ballon perdu, à nouveau récupéré par Thioub la passe en profondeur, Serigne Gueye à la récupération, Daywat non Serigne malheureusement, Day Niak waye ñom wa Ayo ba légui ñom ñoko été. On préfère jouer devant pour Serigne Gueye à nouveau, mais Abdoukhadir Diey est là. Abdoukhadir toujours qui a le cuir. Il dégage le ballon en touche. Et le 30, il est là. Et l'arbitre, il nous a dit. Pape Madiaw, il y a un homme qui est l'arbitre central.
Et il paraît qu'il parle avec le coach de Ayo Agnam. En attendant, même l'arbitre central est allé voir son assistant numéro 1 pour savoir exactement la situation qui prévaut cet arrêt. Signalé qui va au Ayo des Agnam. Le but de la femme qui poste de Nebi et le numéro 30 aussi, Mignon de Nyawa Mom Abdou Gueye. Et 6 minutes de temps additionnel, en tout cas, tout est arrêt qui l'a ramené à mon match. Tout est arrêt qui l'a ramené à mon match. On ne sait pas encore. Nous avons un arbitre, le numéro 35 surtout, mon papa Moussa Si. Ndiaye en profite aussi pour donner des consignes à ses joueurs. Et l'arbitre est toujours là. Takader Nyonanti, arbitre, du roi allemand, mais bon, les joueurs, Ayoï, nous avons aussi. En attendant, nous exactement la décision que l'arbitre va prendre d'ici la fin, d'ici la fin de cette petite dispute entre l'arbitre et le jeu aller sur le banc. Madjao, le 4ème arbitre. Niveau de football, arbitre du wote xol exactement lan la wara def ak lan mo xew bu ko defé mu leer gaay jouer sen match mu jeex ndax wa matam fiñu wara ñib bi sori na li ci dess war lañ ko wara yeggalé mu jeex juroomi sim juroom ben sim ni rek lañu ci daal yok e bobu bo legi xol par ben pour rek gaay ñu évacuer kenn ku ci nek déllu sa place match bi ñu daal di koy yéggalé mu jeex wax nañ ko légui juroom ben simili rek lañu ci daal di yok et bobu légui
Oui, après quelques pauses, ci li nga xamné mom moy match bi, la reprise ici au Stade Albour Ndiaye, jëm ci li nga xamné mom moy li dess ci match bi wax nañ ko légui. Juroom ben simili rek lañu ci daal di yok et bobu ba légui gis nañ né li ci dess barétul mu jeex. Et attention la frappe à côté du but de ki nga xamné né mom moy Daoud Sy qui va jouer rapidement pour son latéral gauche qui s'avance devant pour chercher son capitaine Cham face à Kordo, la tête du défenseur de l'AC Dekendo. Bati Khalifa et Koufran pour Ayo. On joue rapidement. Non, il préfère temporiser. Tek balle bi Koufran bi daal di amé pour mu daal di mëna jouer li nga xamné mom moy ce Koufran ñu wa Ayo. Et devant, il y a Abou qui repousse pour et Papa Ndiaye pour Choubou pour Papa pour Mendy. Attention, l'arbitre nigérien et on joue. Ils ont perdu récupération côté Ayo, on dégage comme il peut et ce sera une touche. Ce sera une touche pour Ayo Agnam, encore une fois pour Dekendo, autant pour moi. Et la touche devant pour Choubou. Dégagement. Et on joue rapidement la déviation. Le capitaine à la récupération, Zakria Moïté, Deidor Ben Cross, Zakria toujours. Attention, c'est un coup franc. Un coup franc de Zakria sur le joueur de l'AC Dekendo au sol. On dit partout ici au Stade Albour Ndiaye. 6 minutes de temps additionnel. Danaka Broulon Arebi. Marche du Diagna. Bakken. En tout cas, le joueur de l'AC Dekendo au monde de l'AC. Et tu n'en es pas légui. Et Minono, en tout cas, 6 minutes de temps additionnel. Et le Guides, vous voyez tout, en tout cas. Il s'est relevé. Le joueur qui était au sol, même accompagné par le soigneur de l'AC Dekendo et un sapeur pompier. Dégagement de qui nga xamé né mom moy Aladji Baba. Et on joue côté Ayo Agnam, le dossard numéro 30. Et c'est parti dans la boîte, donc récupéré par la Boussi qui se dégage et dans le rond central. Et peut-être c'est la fin du match, oui. C'est la fin du match ici au Stade Albour Ndiaye de Louga entre Dekendo et Ayo des Agnam. Et c'est un but partout entre les deux équipes. Un but partout entre les deux équipes ginnaw match bu nga xamné bo am am solo ñom wa ayo ñom ñoo daal di jëk duggal ñi nga xamné ñom ñoy wa Dekendo daal di égaliser et ci noné ci lañuy daal di jéxalé li nga xamné rek mom moy le match entre les deux équipes fi ci Stade Albour Ndiaye mu nékkone 8e journée retard mu nékkone aussi match bu am am solo bu neex ci digënté ñaari équipe et malheureusement les deux équipes vont partager les points après 1-1 bi nga xamné mom lañu da def et il paraît que les joueurs bu Ayo ne sont pas contents ci li nga xamné mom moy résultat bi ndax gis nañ attaque wala wax li nga xamné ñu koy wax ak li nga xamné mom moy l'arbitre central mais n'empêche c'est un but partout ci li nga xamné mom moy le match ici au Stade Albour Ndiaye. Merci de nous avoir suivi sur Ayo Media en direct ci li nga xamné mom moy 8e journée retard jëm ci li nga xamné mom moy
le championnat national de groupe B et ce match là avec mais fin li nga xamné né mom moy le premier tour dem ci li nga xamné mom moy championnat bi en tout cas jere ngeen jeuf et merci et à très bientôt les gars.